fait un petit moment que je peins, c'est vrai. Mais je pense pas que c'est un travail à 100% fini que j'ai pris. Enfin, fini. Fini, oui, la peinture en elle-même était finie, mais le travail que j'ai à faire ou à donner n'était pas encore fini. Et je pense que c'est comme un début et c'est vraiment la première, quoi. C'est l'introduction, on va dire. Ouais. Je pense que c'est un travail déjà de toute une vie. Même si on pense qu'on n'est pas à 100% prêt, il faut se jeter, sinon on ne pourra pas réellement savoir. Déjà ce que les gens en pensent, le ressenti, ce que ça donne dans une salle d'exposition, ça paraît tout bête, mais c'est vachement important. Quand on fait une toile, d'abord on la fait pour soi, mais on la fait aussi pour la montrer, surtout quand on décide de s'exposer. Je ne peux pas dire que ce n'est pas important, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un n'aime pas ce que je fais que je vais le changer ou me questionner dessus, un petit peu quand même, certes, mais ce n'est pas ça qui va changer tout ce que je produis. C'est important aussi de le savoir pour justement se projeter dans le futur, parce que c'est vraiment c'est un métier, une passion que j'adore. C'est aussi l'envie, quelque part, de laisser peut-être une minuscule trace dans l'histoire. J'essaye plus de donner un ressenti que forcément un côté visuel. Le côté visuel est important, mais je pense que l'émotion l'est beaucoup plus en fait. Donc il y a le côté graphique qui est très plat, il n'y a pas beaucoup de volume, pas beaucoup de relief, pas beaucoup de matière, mais j'essaye juste avec le trait, la couleur et la façon où elles sont envoyées dans la toile et où elles sont posées, de créer une émotion en fait.